pour un enfant. Tu déranges, c'est quoi ton problème? Ici, hein? Et si, tu sais, si les enfants nous trouvent ici, on est qui? On a aussi des enfants, non? Donc on a les parents. Ouf. Bon, assieds-toi bien, on continue à jouer. Tu sais jouer à Alibaba? Ça se passait encore comment là? Tu tapes bien, on fait ça. Mais quoi, c'est que ça, hein? Non, pas comme ça là. Une main comme ça, il tape, voilà. Alibaba. La vieillesse. Bon, attends. Voilà ce que je sais faire. Tu veux quoi? Pourquoi? Je vais rougir. Ah oui. Allez, si je rate, allez, c'est toi. Vas-y. Non, mais c'est moi qui dois commencer. Bon, l'honneur à la femme. Vas-y. Toutes les fois que tu m'as énervé, quoi. J'ai raté. Ta femme, tu ne dois pas taper fort. Pourquoi? Je vais rougir. Rougir. Allez. Non, mais recule-toi. Ouais. Attends, bébé, maman. Vas-y. Non, raté. Mais j'ai touché ici, voilà. Raté. Bon, allez. Je suis ta femme, tu ne dois pas taper fort. Ah oui, tout à l'heure, tu... Je suis ta femme, Bastille. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi comme ça? Bon, il va doucement. Ok, tu as intérêt. Ah. Ouh, bon. Tu es fatiguée. Tu sais, ta belle-mère sera là dans quelques jours, tu sais ça? Et comme tu ne sais pas bien... Et comme tu ne sais pas faire quoi? Et comme tu ne sais pas bien parler la langue, le poisson en ma langue, c'est quoi? Est-ce que c'est ma langue, c'est ta langue? Chum. Quoi? Chum. 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 Ok. C'est avec ça qu'on mange de bon couscous. Chum. Dis comme mantaï chum. Mantaï chum. Ah! Ah oui! J'avais fait le tour du monde, excuse-moi, elle est tombée chez toi. Oh oui. Ton patois est quand même bizarre. Hein. Non. Heureusement que tu ne ressens pas ton patois. Et puis, si elle entend ça, si la grand-mère entend ça, ta belle-mère entend ça, tu es morte. Hein? Elle va me faire quoi? Hein? J'attends le jour où elle va arriver ici. Ouais. Ouh. Ça fait du bien de rester à la maison comme ça là. Ouh! Pensez-vous que c'est immature, voire inintéressant de jouer avec son conjoint? Pensez-vous que vous êtes trop sérieux pour jouer dans votre couple? Il est important en couple de s'oublier, de s'amuser et de se relâcher. Qui de mieux que votre conjoint peut vous permettre de retrouver votre âme d'enfant? Cette âme qui sommeille en chacun d'entre nous. Oui. Il est bon de jouer avec son conjoint. Ça permet de solidifier votre relation. Ça permet que vous ayez des moments d'intimité, de qualité qui vous permettront d'aller plus loin quand les moments seront difficiles. Merci de nous avoir écoutés encore. Merci d'aimer, de partager afin que tout le monde s'amuse dans le couple. Amusons-nous, amusez-vous dans le couple. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, lundi, sur notre même page. Famille, on vous aime. Merci d'aimer, merci de partager. Restez connectés. À lundi prochain, shalom.